Le mien a tellement poussé. Il est géant. Tu fais vraiment la tête, toi. Hé, comment va ta flore, hein, Maya? Ça va, elle est en pleine forme. Assure-toi de lui donner beaucoup d'eau. Je sais. Tu devrais peut-être la poser sur une autre table, où il y a plus de soleil. Je sais, j'allais justement le faire. On peut t'aider avec ton tournesol. On a fait du jardinage en colo l'été dernier. On a appris plein de trucs. Merci, mais je vais me débrouiller. Votre colo a l'air sympa, mais heureusement pour moi, j'ai la main verte. Les plantes, ça me connaît. J'ai pas besoin de conseils. J'ai peut-être besoin d'un peu plus d'outils de jardinage, par contre. Hein? Où sont passés tous les outils? Les papinuis, c'est forcément un coup de sorceline. Pourquoi elle voudrait voler des outils de jardinage? Elle ne sort que pendant la nuit. Et les plantes ne poussent pas sans soleil. Vous voyez, je m'y connais en jardinage. Je ne sais pas ce qu'elle mijote, mais ça peut rien être de bon. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glibli! Sacha devient... Yo-yo! Sorceline se trouve quelque part en ville avec plein de matériel de jardinage. Mais où? Un endroit bien vert serait parfait pour jardiner. Le parc à l'Astro-Hibou. Sorceline, où te caches-tu? Hibou Vision! Oh Bibou! Devant toi! Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien, mais j'aimerais pas avoir cette plante qui pousse dans mon jardin. Hé, regardez! Je vois Sorceline! Sorceline! Qu'est-ce que tu fabriques? Quoi? Vous n'aimez pas ma fleur de lune? J'ai plus besoin de vos outils de jardinage, au fait. Finalement, la seule chose dont ma fleur ait besoin, c'est d'être exposée aux rayons lunaires pour pousser. Waouh! Ça fait peur, on dirait une plante carnivore, son truc. Mon truc? Ha! S'il te fait peur maintenant, t'as encore rien vu. Attends un peu que la fleur s'ouvre et libère des centaines de graines. Chaque graine se replantera dans le sol et donnera naissance à une nouvelle fleur et... Chacune de ces nouvelles fleurs libérera à son tour plus de graines qui donneront naissance à d'autres fleurs et... C'est votre plan ou le mien? Bientôt, il y aura tellement de fleurs de lune qu'il n'y aura plus la place pour aucune autre espèce de plante. Il faut qu'on élimine cette mauvaise herbe avant qu'elle n'envahisse toute la surface de la terre. Qu'est-ce qu'il nous avait dit de faire déjà en colo pour se débarrasser des saletés de mauvaises herbes? Il suffit de les déterrer, c'est facile. Non, attends, une fleur de cette taille doit avoir des racines énormes. Il faut faire attention à toutes les enlever. Si on laisse ne serait-ce qu'une racine, elle repoussera pour former une nouvelle fleur de lune. Alors creusons tous en même temps. C'est ce qui s'appelle le jardinage selon Bibou. Dans Hibou déplumé. Et voilà, ça fait un pyjamas que d'attraper. Plus que deux. Yo-yo, rapido. Glu glu méga mus. Je crois que j'ai une idée. Cette plante pousse la nuit, on est d'accord?
Donc si ça se trouve, elle n'aime pas la lumière. Imaginons qu'on l'éclaire plein phare avec l'astro-hibou, elle pourrait peut-être même rapetisser. Attends, pourquoi on ne la déterre pas comme j'avais dit? Moi aussi je m'y connais en jardinage, vous avez déjà oublié? Bibou, mais t'as même pas réussi à creuser. Avec la pelle, c'est vrai, mais je n'ai pas essayé avec les serres de l'astro-hibou. Je vais survoler la fleur et creuser depuis les airs, en évitant de me laisser entortiller dans ces lianes toutes collantes. Je vais pas lui faire de fleurs à Sorceline. Ah, parfait. Je vais l'embobiner, ce crâne de piaf. C'est le cas de le dire. Oh, je suis coincée. Encore. Oh, quel dommage. Non, naïvou déplumé. Je te tiens. Plus, plus, méga, muscle. Laisse mon ami tranquille, Sorceline. Hey, rapportez-moi mon aimant lune tout de suite. J'y suis presque. C'est dans tes rêves, puce de grenouille. Le bleu, attention. Ça y est. Oh. Vas-y, fleur de lune, grandis et libère tes graines que tes pousses recouvrent chaque centimètre carré de la terre. Phew. Bon, donc creuser, je pense qu'on peut oublier. Si tu le dis. Hé, je me demande ce qui se passerait si on arrosait plutôt la fleur. L'arroser? Mais l'eau fait pousser les plantes, pas l'inverse. Sauf que ce n'est pas une plante, tu sais bien. C'est une espèce de mauvaise herbe lunaire. Peut-être que si on l'arrose, ça la ratatinera. Attends un peu, ce tuyau vient de me donner une idée. On n'a qu'à le faire tourner comme un lasso et l'enrouler autour de la tige pour arracher la fleur. Bibou, je suis pas vraiment convaincue. Laisse-moi le tenter au moins. Même si je n'étais pas en colo avec vous, j'en connais un rayon en jardinage. Bibou, attends! Hein? Hé, hey, toi, l'enfumé! Et voilà! Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est l'arracher! Empêche Céline de me tirer dessus, yo-yo. Ah, il est pas de nuit. Pousse. Pousse. Elles vont se répandre dans tous les sens et tout est de ma faute. Bien fait pour vous, les pyjaminus. Par mes écailles. Elles poussent partout, on va être envahis. Sorceline aura bientôt son jardin lunaire. Les fleurs vont pulluler dans toute la ville et détruire toutes les autres plantes. Et je n'y serai pas arrivée sans toi. Elle a raison. J'aurais dû vous demander de l'aide, mais je voulais vous montrer que je m'y connaissais aussi en jardinage, même si je n'avais pas appris en colo. C'est pas grave, Bibou. Et vous avez une nouvelle idée, maintenant? Je vous écoute, vraiment. Réfléchis, Yo-Yo, réfléchis. Ces graines sont vraiment partout. Oh! En fait, ils vont surtout là où le vent les porte. C'est ça! C'est une idée géniale, Glu-Glu! Là où le vent les porte. La solution, c'est de faire en sorte que le vent souffle dans la bonne direction. Je sais ce qu'il nous reste à faire, mais je vais avoir besoin de vos talents en jardinage. C'est quoi alors ton plan? Suivez-moi, c'est l'heure d'être un vrai héros. T'es prêt, Glu-Glu? C'est l'heure de l'opération spéciale vent désherbant. Je suis prêt. Hein? Bibou, super tornado! Hé, mes graines! Fleur de malheur! Je les ai eues, toutes les graines! Ah oui, hein? C'est pas grave, je vais en faire sortir plein d'autres. On
passe au plan B, on essaye ton idée. Normalement, les plantes adorent être arrosées et bien éclairées. Donc si ça se trouve, ces mauvaises herbes lunaires détesteront. Ça marche trop bien. On a réussi! Pyjamasque, on crie hourra! Cette nuit, on a réglé le tracas! Et le prix du plus beau tournesol revient à... Amaya! Wouhou! Ouais! Je voudrais remercier Sacha et Greg pour leur conseil en jardinage. C'est grâce à eux que j'ai appris de combien d'eau et de lumière avait besoin une fleur. Non, vraiment, je partage cette coupe avec vous. Ouais! Champion!